Oui, alors, bonjour, bonjour, monsieur le Bonjour, principal. monsieur. Suite à mon coup de téléphone de la semaine dernière, je voudrais vous faire écouter des extraits de la chanson de la chanteuse dont je m'occupe. Croyez-moi, croyez-moi, hein, c'est la meilleure chanteuse de la région. Elle s'appelle Tatiana. Alors, le premier extrait, c'est une chanson qui s'appelle Perspective. Mon Dieu, mais le tiré. Style atypique, non formatif. Pas intéressant, quand même. Ah bon, voilà. Le deuxième stress, c'est le rock'n'roll est immortel. Bien. Je t'ai dit que notre amour est immortel, tout comme le rock'n'roll est immortel. Le rock'n'roll est immortel, le rock'n'roll est immortel, le rock'n'roll est immortel. Le rock'n'roll est immortel, le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll est immortel. Alors pourquoi pas notre amour? Je n'aime pas le rock, c'est trop banal. Alors, un troisième extrait qui s'appelle c'est Maya Mama. Alors, c'est du russe et ça veut dire ma maman. Je me sens seulement perdu comme un vagabond. Maman, si tu m'entends là-bas, de ce monde tu es parti trop tôt. La Russie n'intéresse personne. Et de toute manière, j'aime pas la Russie. C'est trop dramatique comme chanson. Ça ne peut pas marcher, un truc comme ça. C'est dégueulasse. Écoutez, je vous permets. Bon, alors voilà. Un quatrième extrait. C'est une chanson qui s'appelle « J'ai toujours écouté ma mère ». Elle répondait à mes questions. J'ai toujours écouté ma mère. J'ai toujours écouté ma mère. Quand me dépend de quelque chose, elle m'en expliquait la cause. Et moi, je comprenais. J'ai toujours écouté ma mère. Je n'ai jamais eu de mère, alors je suis orphelin. Alors vous savez, ce style de chanson. Et puis, il y a beaucoup trop de textes. On n'écoute pas le texte de nos jours. Il faut pas beaucoup de textes. Mais c'est vraiment dégueulasse. Je vous permets pas. Voici. Voici le cinquième trait. C'est « Comme tu as changé ». Soyez correct, monsieur. Notre amour, c'était un petit peu. Je dis tout était tellement amoureux. Quand tu as changé, je ne te reconnais plus. Quand tu as changé, tu as changé. Oh là, non, ça me rappelle trop mon divorce, vous savez. Et puis c'est pas assez moderne, c'est pas assez moderne, c'est trop classique. Et l'autre chanson maintenant c'est... écoutez-moi là, écoutez ça, c'est formidable, c'est Les Noces d'Or. Oh. Orange. La famille est venue décider de nous pour célébrer pour notre don. Lève-nous notre abeille à votre santé. Je me suis remarié il y a 3 ans. Alors, vous savez, pour moi, les noces d'or, c'est trop rétro, beaucoup trop rétro, mon petit vieux. Non, mais c'est dégueulasse.
Écoutez, vous arrêtez de me traiter de dire que c'est dégueulasse. Une chanson qui s'appelle « Ma tante n'est pas contente ». Elle n'est pas contente, maintenant. Sinon, c'est le titre. « Ma tante n'est pas contente ». Oui, bon. Pour un hôtel, ma tante n'est pas contente. Elle n'en veut plus. Et j'emmène mes amis tout le temps chez elle. On a dormi dans les lits des Sophie et des Valérie. Et dans la chambre des nids, on a pris tous les papiers qu'il avait dans les WC. On s'est servi. Le tcha-tcha-tcha, c'est démodé. J'en veux pas. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est démodé. Oh, c'est dégueulasse, ce que vous dites là. Allez, il y a aussi. Sono stata completamente folle. C'est de l'italien. Ah bon, l'italien. Sono stata completamente folle. Je ne comprends pas l'italien, c'est trop classique, la voix est trop juste, c'est trop parfait. Il y a ce titre, le blues, oui, vous aimez peut-être le blues. C'est une chanson qui s'appelle Pudic Blues. Bon. Mon soutien gauche sur le séchoir, ma petite culotte sur la mampille. J'en sens je n'aime par le regard de mes voisins qui sont si piles. C'est comme un striptease dont je suis C'est une musique de noir. Elle est noire, votre Tatiana? En plus, ça, j'aime pas le blues, et puis ça marchera jamais. Oui, je veux dire que ça marche pas. Je voudrais vous présenter maintenant une chanson, une salsa. La salsa, c'est à la mode, la salsa. Si vous le dites. Une salsa qui s'appelle Pamplona, Pamplona. La salsa, quel rythme rico. Yo me recuerdo de esta noche durante las fiestas de Pamplona. Estábamos durmiendo en tu coche porque La salsa, quelle horreur. En plus de ça en espagnol. C'est très mauvais comme musique. C'est très mauvais. C'est vraiment dégueulasse ce que vous me dites là. Écoutez. Soyez correct. Allez, zoukra, c'est ça, zoukra. Forniquer avec toi. Forniquer avec toi. Je m'en fais chez moi. Et je pense à là. Je m'imagine que Suisse les tropiques. Je choisis un disque. Forniquer, c'est un verbe qui n'est plus utilisé. Aucun espoir. Il faut des verbes tels que baiser, niquer, c'est des trucs comme ça, moi. Mais pas forniquer. Ouais, je vous propose un twist. Ah, ça, c'est un truc qui peut marcher, ça, un twist. Ne viens pas me faire croire. Je vous permets pas de me tutoyer. Je suis... Quand t'aimes tant, avec moi, tu voudrais bien sortir. Je vais pas te redescourir pourtant. Tout à fond, démarche tes désirs. Wouh! Toca pâté et salade, car je sais très bien qu'il y a et tu restes pour mon camarade, car je sais que tu préfères elle est là, une amarade. Le twist, croyez-moi, c'est démodé, mon petit vieux. C'est vraiment démodé. Oh, c'est dégueulasse, vous êtes dégueulasse quand même. Soyez, c'est correct, je vous dis. Une béguine, c'est Philippe, je flippe. Ça s'appelle Philippe, entre parenthèses, je flippe. Oh, Philippe, je flippe, c'est le titre. Philippe, quand tu
Ça aussi, c'est démodé. Pour le troisième âge, peut-être. Mais bon, c'est démodé, le biguine, écoutez. Un truc, une chanson. Les fêtes de mon Dieu. Voilà, les fêtes de mon Dieu. Toutes les rues seront bientôt envahies. Le monde va s'embraser au rythme des bandas. Dans la joie, la gaieté, c'est ici que ça se passe. On va faire... Montmorsan, c'est où ça? Hein, c'est où? Ça peut faire un succès local, peut-être, mais pas plus. Oh, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Mais écoutez, je ne vous permets pas, monsieur. Je ne vous permets pas. Tant que j'y suis, j'ai mon bon arien de cousin qui chante. Il est ridicule. Il ne sait même pas chanter, il ne chante pas à mesure. Et il se fait appeler Alex Travagant. Ça peut m'intéresser. Ouais, un instant, s'il vous plaît. Oui, ça par contre, c'est peut-être intéressant, effectivement. Ah, voici le premier extrait, c'est Sto ta koi. Что? Я не знаю. Что такое? Texte inintéressant, mais très bien. La voix décalée, c'est très bien, mais aucune importance. C'est parfait, ça. Vous plaisantez? Ah non, pas du tout. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, monsieur, c'est, je vous dis. Aussi un deuxième extrait, il s'appelle Je rappe. Ah, d'accord, j'écoute. Il ne comprend rien, il n'écoute même pas les paroles. Mon père, il a tous les défauts, il ne fume pas, il ne se joue pas, et en plus de ça, il travaille. Tiens, merde, tu oublies les paroles, ça fait rien, je vais dire n'importe quoi. De toute manière, quand c'est en anglais, personne ne comprend rien. Ah oui, aucune mélodie, mais très stylée. C'est très, très bonne musique. C'est... Je n'encore pas mes oreilles. C'est dégueulasse. Ah, écoutez, je ne vous parle pas, monsieur. Qu'est-ce que j'ai... Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, voilà. Léon. Ben, j'écoute. On dit que j'ai les oreilles de Gainsbourg. Seulement les oreilles? Pourquoi pas le talent? Mais c'est vrai, je fais pas les mêmes calembours. Et ma femme, ce n'est pas Jane. Pas vraiment. Ma belle-sœur, peut-être. Enfin, ce sera loin. Il parle, c'est très bien. À l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut. C'est mieux que toutes ces mélodies sirupeuses, là. Il faut du blablabla, il faut du... Mais parole. Vous ne connaissez rien. Si, monsieur, c'est mon métier, quand même. Bah, tiens, Oui. Tiens, autre chose. Toujours sur le poussiou. Toujours sur le poussiou. Bien. L'autre jour, j'étais espatraqué sur le divan. J'avais la canne, je m'étais pris un bon pur sang. À boire avec modération. Tout d'un coup, à une des caillas où le canne est entré. Je voulais tout simplement qu'on me foute la paix. Je sais pas qu'est-ce que c'est que votre pushiou là, mais les paroles sont cons, ils chantent mal, donc ouais, à la rigueur, ça peut marcher, ça peut cartonner. Oh, mais c'est quoi? C'est dégueulasse. Je ne vous permets pas, monsieur. J'ai un dernier morceau, on va faire goûter un dernier titre, c'est la leire, excusez-moi, je m'affouille. Oui, il va fouiller. Au milieu de la forêt, nous allons pagayer. Sur une petite rivière, qui s'appelle la Leyre, ah la 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 la. En kayak, en canoë, dans ce site protégé. Oui, c'est ce qu'il faut, 8 lignes de texte maximum. Il faut que ça rentre dans ma tête. Je vais lui signer un contrat à votre travagant, là.
Quant à l'autre, Tatiana, elle est trop classique, trop parfaite, trop professionnelle. C'est... Bon, on a besoin d'artistes approximatifs maintenant. Elle n'est plus dans son époque. Ça aurait marché il y a 50 ans, ça, lorsqu'on faisait des bonnes chansons. Ça ne peut plus marcher, ça. Bon, écoutez, je vous signe le contrat et on se rappelle. Écoutez, allez, au revoir, monsieur. Alors, au revoir, monsieur le producteur. On se tient au courant. Oui, monsieur, je vous rappelle.